Bună ziua, dragi telespectatori ai SCTV. Continuăm seria de dezbateri pe teme economico-financiare. Am invitat în studio pe domnul Michel Bouchard, un curtier imobiliar agreat, care a lansat recent o aplicație unică în Quebec, prin care ne poate ajuta să ne facilităm o alegere pertinentă în domeniul imobiliar. Bienvenue, monsieur Bouchard. Nous attendons depuis longtemps un logiciel ou un outil comme le vote qui peut aider les investisseurs en immobilier, faire un choix éclairé. Mais avant ça, vous êtes courtier immobilier agréé. Ça serait quoi la différence entre... qu'est-ce que vous offrez de plus? En fin de compte, il y a plusieurs titres au niveau du courtage immobilier. Il y a le courtier immobilier de base. Souvent maintenant, qu'on va appeler courtier immobilier résidentiel, qui lui va être plutôt au niveau des maisons unifamiliales, va vendre des condos. Par la suite, il y a le courtier immobilier commercial. Lui va s'orienter spécifiquement vers des immeubles de revenus. Ça peut être des restaurants, ça peut être des stations-service. Après ça, il va au niveau industriel. Ma licence est une licence agréée. Donc, ça me permet de vendre propriétaires revenus, des immeubles commerciaux, en fin de compte, tous les immeubles possibles et inimaginables, les terrains, les restaurants. Donc, c'est une licence complète. C'est une licence qui est plus longue à obtenir, mais qui me donne, par exemple, donne plus des connaissances partout. Et plus de crédibilité, j'imagine. Oui, parce que... pas nécessairement crédibilité, mais plus de... prestance. Oui, de profondeur également. Lorsqu'on analyse, compte tenu qu'on a la formation complète, on est capable de faire davantage. On peut même ouvrir un bureau avec cette licence-là, ce qui n'est pas possible avec une firme de cours, avec une licence résidentielle, entre autres. J'aimerais, M. Bouchard, poser une question. Au niveau de l'investissement possible en immobilier, vous êtes un spécialiste de l'investissement dans les propriétés à revenus. Ça serait quoi la grande distinction, pour que les gens comprennent, entre investir en immobilier ou acheter une propriété familiale? La propriété familiale, ça, généralement, les gens vont acheter ça avec leur cœur. C'est beaucoup. Il faut que ça soit belle. Ah, il faut que ça soit beau, que ce soit près d'un parc, que ce soit près de peu importe, qu'ils ont des enfants, près de l'école. Donc, c'est vraiment en premier que j'ai les émotifs. Ah oui, c'est complètement de l'émotion, là, du début jusqu'à la fin. Oui, on garde la grandeur, là, mais l'émotion, vraiment beaucoup. Lorsqu'on parle d'investir en immobilier, donc d'acheter du multilocatif, on parle d'acheter une entreprise. On achète des revenus et des dépenses. Et on espère qu'un va être plus haut que l'autre pour faire un profit à la fin. En fait, c'est un business. C'est un business. C'est carrément un business. C'est carrément un business. Ça devrait se gérer comme une entreprise. Donc, c'est vraiment un investissement d'entreprise que l'on fait. Et quand on fait ça, naturellement, bien, ça amène à faire certains choix. Donc, on n'achèterait pas un restaurant de hot dog basé seulement sur le fait qu'il fasse des hot dogs. On va regarder c'est quoi son chiffre d'affaires. On va regarder s'il y a une bonne clientèle. On va regarder où est-ce qu'il est situé. On va regarder quelles sont les dépenses. On regarde tout. Le stationnement. Fait que si on n'a pas ça, tout ce qu'on regarde, c'est le hot dog, on n'ira pas loin en affaires. Donc, c'est le même principe lorsqu'on achète un immeuble en revenu. On va regarder où est-ce qu'il est situé. Mais avant même de commencer... parce qu'on parle de milliers de propriétés qui sont aujourd'hui sur le marché. Fait que faire une évaluation de chacune des propriétés, c'est long et pénible. Fait que plutôt que regarder seulement la couleur de la brique, regarder si les fenêtres sont belles, si les portes sont changées ou quoi que ce soit, c'est long, puisque la grande majorité des propriétés qu'on retrouve sur le marché ne sont pas nécessairement profitables ou très profitables. Donc, ce qu'on veut faire plutôt, c'est regarder au niveau financier. Est-ce que l'entreprise, est-ce que l'immeuble a revenu, est profitable. Fait pour ça faire. À long terme plutôt. Immédiatement. On veut l'avoir rentable immédiatement. On veut acheter quelque chose immédiatement. On veut faire de l'argent à tous les mois. Pensez. Oui, c'est ça, c'est un business. Ouais. Oui. Puis il faut que ça amène des revenus de manière. Continuelle. Oui. Il y a été un temps, à un moment donné, où est-ce qu'on disait, je vais faire mon argent à la revente. Mais ça, c'est des vœux pieux maintenant. On ne sait pas combien d'argent qu'on va faire à la revente. On peut aussi bien en faire au mois après mois. Et puis là, il n'y aura pas de problème.
Avant de mettre une offre d'achat, il fallait vérifier les dépenses de l'entreprise. Donc, quelles sont les dépenses reliées à l'exploitation de l'immeuble? Ça peut être du chauffage, ça peut être de l'assurance, le déneigement, les réparations, l'entretien, peut-être un service de conciergerie, les taxes. Il y en a une multitude qu'on doit regarder. Et on doit regarder également les revenus. Les revenus sont principalement reliés aux locataires. Donc, on doit regarder la qualité des locataires. On doit regarder le mix des logements. Si c'est des 1,5, des 2,5, des 5,5, ça peut avoir un impact également sur le type de clientèle. Parce que souvent, on dit que ceux qui sont avec des chambres strictement ou des 1,5, les locataires vont avoir tendance à changer plus régulièrement. Lorsqu'on a des 4,5, des 5,5, des 6,5, c'est des familles et ils vont être plus stables. Ils ont tendance de rester plus longtemps. Plus longtemps. Fait que ça, c'est pour quelqu'un qui veut investir, bien, c'est une clientèle idéale. Donc, on regarde ça. Ce n'est pas nécessairement facile à identifier. Moi, si je veux investir dans un bloc d'appartement, c'est compliqué. C'est pas une information qu'on trouve dans la description, dans l'affiche de l'immeuble. Ça serait tellement simple, c'était ça. Oui, il existe une base centralisée qui s'appelle Centris pour le Québec, où est-ce que une grande majorité des propriétaires revenus sont là-dessus. Maintenant, l'information qui est installée dans ces fiches-là n'est pas complète, ou quelquefois est carrément erronée. Donc, ils vont nous manquer du chauffage. On va dire que la propriété, elle est chauffée, mais il n'y a pas de frais de chauffage. On va vous dire que le système Wi-Fi est fourni, est gratuit pour le locataire, mais ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui le paye. Généralement, c'est le propriétaire, et ce n'est pas indiqué non plus. On va nous indiquer des frais de taxes qui sont seulement une taxe scolaire, il n'y aura pas de taxe municipale. On va nous mentionner qu'il n'y a pas de frais de déneigement quand il y a un stationnement pour 31 voitures. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de corrections à faire. Donc, ce que j'ai fait en arrivant dans le domaine immobilier, j'ai commencé à créer des logiciels pour permettre... Pourquoi avez-vous eu cette idée-là pour répondre à un besoin? Ben, à la base, avant d'arriver dans l'immobilier, je faisais de la réorganisation d'entreprise. Donc, vous avez déjà une vision business. Puis, très business. Vous n'avez pas fait découper là où il faut couper. Oh, non du tout. Donc, en arrivant là-dedans, ben, j'ai vu qu'il y avait des besoins. Et de façon plus spécifique, un des gros besoins, c'était au niveau des immeubles à revenus, puisqu'il n'y a aucun programme qui existe. Il existe quelques fichiers Excel, ils appellent ça souvent des crunchers, où est-ce que les gens vont mettre leurs propres dépenses, une dépense à la fois. Et puis là encore, c'est laborieux, fait qu'il faut qu'ils regardent une propriété, puis ils vont mettre ça une à la fois, puis à la fin, ils vont avoir un ou deux ratios, trois ratios, si on est gentil, là, on pourra obtenir ça. Et puis ils vont essayer de se baser là-dessus. Mais ça, c'est une propriété à la fois. On parle de milliers de propriétés. Puis, on arrive à tous les jours, puis ça en va tous les jours. Il y a des changements de prix tous les jours. C'est quelque chose qui est continuel. Donc, plutôt que faire ça, ce que j'ai décidé de faire, c'est de, un, créer une base de données qui est vraiment très nettoyée. Donc, j'ai regardé toutes les propriétés qui se sont vendues. Et pour une à la fois, on les regarde et on corrige chacun des postes de dépenses. On regarde si les revenus sont adéquats également ou si ça a été falsifié. Pas falsifié, mais il y a des fois, ils ne sont pas placés au bon endroit. Fait qu'on a réorganisé la base. Et à partir de là, on a monté un programme. Puis ce programme-là, ce qu'il fait, c'est qu'il va prendre chacune des propriétés puis il va installer les ratios financiers. Votre logiciel, en fait, il va donner une information mise à jour puis rapide... et complète. Ouais. Et en même temps, c'est comme je fais un parallèle avec une recherche d'un billet d'avion qui va nous aider à économiser 100-150 piastres. Mais une propriétaire est venue, là, si on fait un bon choix, ça va nous amener à économiser des montants importants. Ça va nous amener à faire ça, puis ça va nous amener à payer le bon prix pour la propriété. Parce que si on paie trop cher pour une propriété, il y a un financier qui s'installe là-dedans, un banquier, et si on paye 2 millions pour une propriété qui en vaut seulement 700 000, la banque va dire on est prêt à vous passer sur une équité de 700 000. Donc, il va manquer 1,3 million. Et c'est 1,3 million-là, vous allez devoir vous-même le chercher quelque part, dans vos propres ressources, auprès d'amis, auprès de parents, peu importe, mais la banque ne vous le passera pas. Donc, c'est important de faire un achat au bon prix. Et pour ce faire, bien, c'est une des choses que l'on fait. Le programme ne fait pas seulement faire la recherche, il va qualifier les propriétés, il va positionner à quel prix cette propriété-là devrait se vendre pour être adéquate pour le financement bancaire.
Mais comme vous le disiez tantôt, ça devient ce que ça devrait être, un choix logique. Ouais. On parle ici d'un investissement business. C'est ça. C'est tellement agréable. Écoutez, avec tout ce qui existe sur le marché, il y a beaucoup de frustration. Je parle des gens qui en font depuis des années, et puis on parle de prendre des jours et des semaines pour faire la recherche d'une propriété. Qu'est-ce qu'on fait plutôt? Tout a été monté, puis chacune des propriétés est analysée, et tout ce qui reste à faire par la suite, c'est de dire, voici, j'aimerais acheter une propriété à revenu dans telle région, dans la Montérégie, dans la Naudière, dans les Laurentides, dans Montréal. On fait seulement indiquer où est-ce qu'on veut aller. Voici, j'aimerais acheter quelque chose qui va avoir entre 6 et 8 portes, entre 12, 20 portes. On donne nos paramètres. J'ai 200 000 $ à investir là-dedans. Et j'aimerais avoir un retour sur mon investissement qui est au moins égal au marché local. Le ou retour, encore, vous le calculez en pourcentage? Ou c'est en pourcentage, oui. Mais en fin de compte, dans la première partie, il n'y a même pas de pourcentage. Tout ce qu'on dit, j'aimerais avoir quelque chose qui est 10 % plus élevé que le marché local. Le marché local, lui, est en pourcentage, mais on ne le voit pas à ce niveau-là. Mais on dit, voici, programme, donne-moi les propriétés qui vont me générer au moins 10 % de plus que le rendement local. Et à partir de là, immédiatement, le programme se met en marche, puis il va aller chercher les propriétés, il va les classifier selon un algorithme, ça donne des étoiles, et puis on fait seulement dire activer, bingo, les propriétés nous arrivent en plein visage. Et c'est rapide. Et là, on parle de quoi? On parle de ratios financiers. Les ratios financiers, le banquier va s'en servir, mais l'investisseur devrait s'en servir lui aussi. Puisque c'est un must. C'est un choix, oui. Ouais, c'est comme acheter un véhicule puis ne pas connaître la consommation d'essence. Si on veut économiser l'essence, on ne va pas payer le cher d'essence. On va vouloir savoir combien que je mets de litres au 100 km. Dans le ratio financier, c'est le même principe. On veut savoir le retour sur notre investissement. Donc, on met un capital. Combien d'argent va revenir à tous les ans? On veut savoir également, dans une entreprise, on parle du point mort d'une entreprise. Le point mort, donc, étant, on fait pas d'argent, mais toutes nos dépenses sont payées. Mais pour un immeuble à revenu, il y a un point mort également qu'on appelle le taux minimal d'occupation. Fait combien, le pourcentage de loyer qu'on doit percevoir pour seulement payer nos hypothèques, payer nos dépenses d'exploitation. Fait que ça aussi, pas perdre d'argent. Fait que si on avait un taux minimum d'occupation de 100 %, on est à risque, puisque ça veut dire qu'on doit collecter chacun de nos loyers à tous les mois pour faire zéro. Donc, c'est pas idéal. Si un de nos locataires ne nous paie pas pendant un mois, ça sort de notre poche. Fait que ça aussi, c'est un très gros... Mais c'est un facteur à prendre en considération. De toute manière, on ne peut pas éviter... mauvaises créances. C'est la plaie. Faut vraiment y aller. Puis, il y a un autre gros qu'on regarde qui s'appelle la valeur économique selon les paramètres de la SCHL. Et c'est celle-là, entre autres, que la banque va regarder. Fait que c'est calculé pour chacune des propriétés. Fait que ce que ça donne, on a actuellement des banques qui l'ont regardé, qui sont épatées de la rapidité de trouver la propriété et épatées de la façon que tous les calculs se font, puisque ça se fait en un clin d'œil. Fait qu'il n'y a plus de recherche à faire. Tout ce qui nous reste à faire par la suite, lorsqu'on a qualifié la propriété, puis on dit, d'accord, c'est si mon cash flow est bon. Le qualificateur. Ouais. Et puis ça le qualifie vraiment. Puis lorsqu'on arrive là, par la suite, on regarde, est-ce que la propriété me plaît? Est-ce que le mix des loyers me plaît? Est-ce qu'il y a des réparations à faire dessus? Donc, on regarde par la suite à un deuxième niveau. Mais au moins, on commence en sachant que à ce moment-ci, la propriété est profitable. Ça serait la première étape, l'analyse. Ouais. Deuxième étape, vous accompagnez, j'imagine. Oui, on va aller vérifier la propriété. Avant même de vérifier la propriété, on va communiquer avec soit le propriétaire, soit le courtier inscripteur pour savoir davantage. On fait d'autres recherches. On revient à l'investisseur en disant, voici ce qu'on a découvert sur la propriété. Est-ce que ça vous intéresse encore? Si oui, là, on va commencer à faire des offres d'achat, on va aller visiter la propriété. Si tout fonctionne bien, on va faire les inspections nécessaires. On va faire toutes les démarches et toute la papeterie qui l'entoure pour vraiment accompagner le client jusque chez le notaire. Acheter une propriété à revenu ou une propriété familiale, évidemment, ça comporte des avantages, des désavantages. Quelques conseils pour les gens qui veulent investir en immobilier? J'imagine qu'on n'a pas les mêmes responsabilités comme propriétaire. Du tout. On n'a pas les mêmes dépenses, la taxation n'est pas la même. Oui, c'est vraiment, on devrait, dès le départ, si on se dirige en investissement,
immobilier, faire affaire avec des comptables, avec des fiscalistes. On devrait avoir avec nous des gens qui sont compétents au niveau des inspections. Donc, on a plusieurs noms qu'on peut vous référer là-dessus, il n'y a pas de problème, d'une équipe qui va nous aider. Mais on doit nous-mêmes être capables de gérer le risque. Gérer le risque avec des locataires qui vont nous payer, ils ne nous payeront pas pour avoir des dégâts. Être capable de faire certaines réparations aussi. Être capable de gérer la publicité, parce qu'il va falloir faire la promotion de notre immeuble pour dire « venez louer chez moi plutôt que chez le voisin ». OK. C'est de la gestion, être capable de dire oui, je vais être prêt à recevoir des appels d'un locataire qui a un besoin spécifique. Donc, oui, parce que c'est de l'entretien. C'est une propriété, comme la propriété unifamiliale, c'est de l'entretien. Une propriété à revenu aussi, c'est de l'entretien. Fait qu'il faut la gérer et on se doit de bien la gérer et de l'entretenir. Si on ne l'entretient pas aujourd'hui et on veut la revendre dans un an, ça va se refléter sur le prix de vente. Fait que peu importe qu'on l'entretienne aujourd'hui ou qu'on l'entretienne pas, le prix de vente va refléter le fait qu'on l'a entretenu ou pas. Donc, si on prend bêtement le toit qui sera à refaire, si on a refait le toit, la valeur de la propriété va être plus élevée que si on n'a pas fait faire le toit. Et lorsqu'on va avoir la mise sur le marché, le prix va être affecté immédiatement. Donc, c'est payant faire l'entretien. C'est payant puisque aussi ça fait la rétention de nos locataires. Si on s'assure que la peinture, le nettoyage des corridors, les entrées, le gazon est bien fait. La satisfaction, évidemment. Oui. Parce qu'on ne veut pas avoir des locataires qui changent à tous les mois ou à tous les ans. On va avoir des clients, des locataires qui demeurent en place. Parce que ça aussi donne une valeur à notre propriété. Moins de litiges potentiels avec la stratégie. Oui. Coûte de l'argent et coûte de temps. Ça coûte beaucoup de temps. Donc, si on est en bon terme, en bonne relation avec nos locataires, c'est déjà un gros plus. Donc ça aussi, c'est une autre histoire. Lorsqu'on achète une propriété à revenu, on doit faire des évaluations. On doit faire des vérifications de nos locataires. On ne dit pas que quelqu'un arrive et on lui loue immédiatement. Il faut toujours vérifier, puisque le locataire qui rentre dans votre immeuble est là, par la loi, peut être là à vie. Il y a la loi du maintien dans les lieux qui a cours, donc il n'est pas forcé de quitter les lieux. Donc c'est important de bien le choisir. Sachant qu'il peut être là très, très longtemps. Non, mais c'est toutes des choses, par exemple, qu'on va, nous, vous aider. Dans le choix d'une propriété, ça va plus que dire voici combien elle se vendrait. On va aller voir jusqu'à, pour le locataire, faire les choix, vous guider dans toute la gestion de l'immeuble également. Donc, on est complet. Complètement. Ce soit un inspecteur, soit un notaire. On a des gens, là, des évaluateurs, des arpenteurs, des firmes qui font des évaluations de sol, ce qu'on appelle la phase 1, la phase 2, la phase 3. Remarquez que si on est rendu en phase 2 et 3, généralement, on n'achète pas, mais tout de même. Et on les connaît, donc on peut vous aiguiller aux bons endroits. Puisque ça peut être stressant, surtout que quelqu'un commence, ça peut être stressant à faire. Mais sachant que vous êtes appuyé par des gens qui ont de l'expérience, et nous, c'est ce qu'on fait à tous les jours. Peu importe la journée, on est actif 7 jours par semaine, et on vous aide à choisir, à faire le bon placement. Puisqu'à la fin de la journée, c'est ce qui est important. Est-ce que je fais de l'argent avec mon entreprise, avec mon immeuble, ou j'arrive kiff-kiff? On veut pas vous arriver kiff-kiff, on veut que vous fassiez de l'argent. Puisque plus vous allez en faire, plus vous êtes heureux, et plus vous allez recommander nos services. Et la façon qu'on opère, on est excessivement rapide. On entend souvent parler des gens que ça fait un an et demi qu'ils cherchent qu'ils vont chercher pour un immeuble locatif et n'en trouvent pas. Et avec nous, en dedans de quelques minutes, on peut en trouver. J'ai des clients encore cette passée qui n'ont trouvé 4 en dedans de quelques minutes. Donc, on est capable de trouver et de chercher. En fin de compte, c'est plutôt que chercher dans une botte de foin l'aiguille. On a, nous, indiqué avec des flèches, avec un gros cordon rouge, l'aiguille est très grosse. On vous l'indique où est-ce qu'elle est. Fait qu'il n'y a plus de recherche à faire. Monsieur Bouchard, on félicite pour cette initiative. Je l'avoue que, là, juste quand je pense une base de données et faire le nettoyage d'une base de données, c'est énorme. Corroborer toutes les informations, puis s'assurer que les informations sont, comme vous le dites, complètes et fiables. Voilà où les potentiels investisseurs peuvent trouver votre Ils peuvent nous rejoindre soit sur notre site internet qui s'appelle lequalificateur.ca ou encore par téléphone dans le 514-808-5162 ou sur mon courriel
qui est mbouch10@gmail.com. Et puis, nous, ça nous fait plaisir. On est là pour vous répondre, on est là pour vous aider là, à n'importe quel moment. Voilà, Monsieur Michel Bouchard, qui, avec deux de ses partenaires, Madame Simona Bidlan, une Roumaine, et Monsieur Martin Bernard, ont créé ce logiciel qui s'appelle Qualificateur. Et ce sont des gens qui croient que la meilleure, le meilleur investissement sur la terre, c'est acheter de la terre. C'est ça. Nous vous remercions de votre présence. Merci beaucoup. On attend d'autres bons conseils de votre part. Ça va nous faire grand plaisir. Merci beaucoup. Je vous souhaite beaucoup de succès. Merci beaucoup.